rêves très compliqués. Quand ils sont très compliqués, on ne s'en souvient pas. Les rêves simples, on s'en souvient au réveil. Mais là, je sais qu'ils étaient horriblement compliqués. Il se passait des tas de choses avec des tas de gens, des tas d'endroits. C'était très compliqué. Mais... C'est un rêve que tu as déjà fait ou avec des personnages que tu connais? Enfin, jamais des rêves qu'on a déjà fait. Tu les reprends jamais, deux jours de suite? Non, c'est non. Il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent, oui. Il y a des endroits qui reviennent. Par exemple, moi, je rêve tout le temps de Venise. Et le Venise dont je rêve, je sais que c'est Venise, et ça n'a rien à voir avec Venise. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de canot, il n'y a pas de gondole. Et je me dis, ah, je suis à Venise. Et c'est la même ville dont je rêve tous les 4, 5, 6 mois, comme ça. Je rêve de Venise, je sais que je suis à Venise, et ça n'a rien à voir avec Venise. C'est drôle. Mais ce qui m'est arrivé, c'est de rêver un morceau de danse, de me réveiller, de m'en souvenir, d'aller au studio et de le régler. J'ai rêvé des fragments de danse. Par exemple, j'ai rêvé que je voyais un pas de deux sur scène, dansé par des gens connus que je connaissais. Et puis quand je me suis réveillé, je suis allé au studio et j'ai réglé ce pas de deux, je ne l'avais jamais vu. Il n'avait jamais dansé par personne. Donc je l'avais inventé en rêvant. Tu restes pointé sur le premier bras, tu poses le pied sur le second bras, tu changes de pied, tu ouvres les bras, tu le fermes à contre-temps et tu l'ouvres avec le pas seconde. Là, il pleut bien. Vas-y. Pa-pa-pa-pa. Oh, non. Ah. Ah. Oui. Un port de vent en plus. Voilà. Ferme et puis il va marcher. Seconde, voilà. Tac, hop, voilà. Et maintenant passe la jambe et ouvre. Tac, voilà. Bien.